Aujourd'hui, nous allons traiter du cas de London Spitfire. London Spitfire qui a annoncé récemment le recrutement de certains joueurs et notamment des avancées notables concernant son roster la saison prochaine. La plupart des équipes ont annoncé entre 6 et 12 joueurs déjà d'ores et déjà pour la saison prochaine. London est la seule qui n'a pas encore annoncé, euh, qui pas encore annoncé eh bien, son roster. Mais ils ont annoncé l'arrivée d'un joueur. Un joueur qui a un petit peu surpris tout le monde. Vous en avez déjà pro probablement entendu parler. On en a parlé ce week-end d'ailleurs sur la chaîne. Il s'agit de Blazé. Blazé, le joueur euh, un peu Doomfist spécialiste, ancien joueur de Houston Outlaws et euh, de euh, Boston Uprising, a rejoint du coup les London Spitfires au poste de Flex DPS. Alors beaucoup de questions concernant son recrutement. On en avait déjà discuté. Le fait qu'il euh, soit potentiellement un joueur avec un héros pool assez faible, euh, qu'il est euh, certes très très bon sur des héros spécifiques, hein, que ce soit Doomfist euh, ou Genji, mais euh, pas assez flexible euh, par rapport à ce qu'on a pu voir, en tout cas chez Houston, où ils lui ont préféré denter sur pas mal de postes euh, qui étaient des postes plutôt réservé aux flex DPS d'habitude, notamment le rôle de Echo. Donc l'arrivée de Blazé qui surprend un petit peu, surtout que si c'est pour recruter un Doomfist spécialiste, ils avaient déjà Daned dans leur effectif. Après, quid de la situation de Daned chez British Hurricane et donc chez London Spitfire et aussi de, de, de son niveau par rapport à Blazé. Hein. Les deux jours ont été testés. Euh, on s'éloigne du projet européen, bien évidemment, de London Spitfire qui avait annoncé qu'ils allaient recruter quasi exclusivement quasi exclusivement des joueurs euh, européens. Finalement, ce ne sera pas le cas. Ce n'est pas le cas. Un Américain rejoint les rangs de London. London, supposé rester en Europe. Hein, vous l'avez vu probablement dans la dernière vidéo euh, qu'on a fait sur la chaîne YouTube. Euh, London et Paris devraient rester en Europe la saison prochaine. Euh, donc Blasé ne serait pas avec le reste du groupe. Une possibilité peut-être que tous les joueurs jouent depuis chez eux et qu'on se retrouve avec un blasé qui, lui, n'aura pas de ping quand ses coéquipiers en auront, ce qui pourrait créer des petits problèmes. Mais peut-être le choix de London de se tourner vers des joueurs américains est peut-être aussi lié au fait qu'ils vont rester en Europe et que les joueurs en Europe risquent d'avoir du ping. Donc autant limiter les dégâts, on va dire, en termes de joueurs avec de la latence. Mais bien évidemment, rien de confirmé à ce niveau-là. Euh, rien de confirmé à ce niveau-là. Mais London Spitfire n'a pas seulement annoncé blasé, ils ont euh, posé un certain nombre de, de, de hints, de, de, petites, euh, de petites devinettes euh, sur les réseaux sociaux pour annoncer le reste de l'effectif. Et justement, c'est ce sur quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui, pas uniquement donc, à ce qui a été annoncé, mais ce qui ne l'a pas encore été, même s'ils ont donné des indices, et on va prendre eh bien, indice par indice et déterminer de quel joueur il s'agit. Le premier indice, le premier post en tout cas qui a été posté par London Speedfire, c'était euh, c'était euh, the sun is setting on 2020, it's time to rest and eat up plenty. Une photo qui a été postée du coup où on, on entreaperçoit. Alors c'est très très flou, hein, bien évidemment. C'est le but hein, de cet indice. On entreaperçoit. Eh bien, ce qu'on appelle The Black Forest, en tout cas une forêt sombre, qui pourrait laisser penser à une forêt noire, euh, comme euh, la forêt noire en Allemagne, et donc potentiellement, je dis bien potentiellement, c'est probablement l'indice le moins clair de tous les indices qu'ils ont laissé euh, sur leur Twitter, la signature donc de Adi, qui ne, sur... qui ne euh, pas Adibou bien sûr, mais Adi le main tank allemand, ce qui ne surprendrait personne. Voilà, on va dire euh, que c'est l'indice. Euh, c'est ce qu'on peut retirer de cet indice, c'est que c'est une forêt noire, et donc la forêt noire en Allemagne, joueur allemand. Euh, J'ai essayé de chercher un petit peu des liens avec son nom euh, de famille, euh, voir si dans la phrase il n'y avait pas une, une tournure cachée, hein, quelque chose que je n'avais pas bien compris. Euh, je n'ai pas vraiment trouvé euh, autre chose que le fait que, bon, bah a priori c'est une forêt euh, allemande, et donc du coup pourquoi pas euh, là-dessus. Ça, c'est l'indice le moins clair du côté de London Spitfire. Et ça n'a pas été le seul euh, qu'ils ont mis en avant. Ils, en ont, mis, euh, ils ont mis du 9, ils ont mis 9, 8, 7, 6 et 5. Donc il y a eu 5 indices qui ont été délivrés euh, sur leur Twitter. Après la signature d'Adi, ce n'est quand même pas une surprise dans le sens où on s'attendait à le voir monter de British Hurricane euh, chez London Spitfire la saison prochaine. Le deuxième indice, par contre, lui, il est un petit peu plus clair. Si vous avez un petit peu de culture, et notamment depuis 2016, culture Go For Overwatch. Si vous étiez déjà là à l'époque des Go for, ça a dû vous frapper un petit peu. Fractures healers all the same will find the chance to rise again. Et là, honnêtement, c'est assez clair pour moi. Déjà, healers, ça veut dire qu'on s'intéresse à un support. Euh, will find the chance to rise again. L'année dernière, un certain support évoluait sous les couleurs de Toronto Defiant euh, et euh, le slogan de Toronto Defiant était Rise Together. Dans le sens Rise Again, on pourrait penser au retour du coup euh, de Kelex, le joueur qui était chez British Hurricane en Overwatch League et donc il pourrait Rise Again, évidemment euh, par rapport au fait que chez Toronto, il était déjà de, dans l'idée, on va dire, de Rise. Euh, mais il y a un indice qui vient confirmer cette information. Non seulement il y a eu cette petite phrase, mais en plus de ça, Fractures Healers, euh, en mode les tireurs ou les healers. Mais Fragsters », ce n'est pas simplement les, ceux qui font des frags, c'est aussi le nom d'une ancienne équipe. Et c'est là où je parle de euh, culture Overwatch. Euh, Kellex a évolué dans beaucoup d'équipes en Overwatch, sur Overwatch, il a évolué chez British Hurricane, la team du Danemark, Toronto Defiant, Boston Rising, Team Singularity, euh, ou encore une équipe qui s'appelait euh, Grand Danois par le temps. Mais si on remonte encore avant et à l'époque des GoFor, au tout début, hein, ça date de 2016-2017, une des premières équipes, une des premières structures de Kelex n'a pour nom que fraxters C'était le nom de la première équipe, euh, d'une des premières équipes officielles de Kelex, fraxters Et donc là, on se recoupe un petit peu, euh, on se recoupe un petit peu avec justement le Rise Again plus le fraxters deux indices qui tendraient et qui laisseraient penser qu'on se dirigerait vers... Une enquête rondement menée, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Tout est lié, en effet, et on est un petit peu dans l'investigation. Donc, Kellex semblerait être. Et il y avait un point d'interrogation hein, sur le poste de main support. On ne savait pas si Kellex allait retourner en Overwatch League. C'est vraiment lui qui allait signer chez London Spitfire. Et a priori, ben, tout laisserait à penser que oui. Hein, tout laisserait à penser que oui. Les indices ont parlé entre le Rise Again et le Fragsters, Il n'y a qu'un homme et il s'agirait de Kellex. Il y a joué d'ailleurs très longtemps, c'est probablement l'équipe dans laquelle il est le plus resté. Grand Danois n'était qu'une suite de Fragsters, Team Singularity également, c'était les rosters danois de l'époque des goforts et on voit donc qu'il a continué pendant longtemps. Il a continué pendant longtemps dans ses équipes avant de rejoindre Overwatch League, voilà. Lundi suivant est un petit peu plus facile à comprendre. « Rip apart your presence, Warper in holiday sweaters looking deeper. Vous l'avez probablement vu direct, il y a deux mots qui donnent le nom, enfin les deux premiers mots donnent le nom du joueur, et là on parle encore d'un support, après avoir annoncé euh, eh bien, euh, Kelex. Merci beaucoup mon Murtags pour tes 200 bits sur égal, mon pote. Merci beaucoup. Après avoir annoncé eh euh, Kellex, entre guillemets sous-annoncé Kellex, et eh bien là on le voit le nom du joueur écrit clairement sur le, euh, le post Ripa. Euh, Ripa, Reaperports, quand on colle les deux mots, ça fait RIPA. Là aussi, pas de surprise, hein, ça avait été leak euh, sur les réseaux sociaux. Hein, le départ du joueur. Euh, de, de British Hurricane vers London Spitfire, la transition de, du joueur de British Hurricane vers London Spitfire, il passe un joueur qui a de l'expérience Overwatch League vu qu'il a joué sous les couleurs de Los Angeles Gladiators, je suis pas trop étonné de le voir. Euh, je ne suis pas trop étonné de le voir transitionner vers London Spitfire. Vous aussi, je suppose. Hein, mais celui-là, il était assez simple à lire. Je pense que vous l'aviez tous trouvé. Je ne comprends pas pourquoi on nous a mis la map de Busan en dessous. Par contre, là, ça pose, ça pose un petit peu euh, question. Pourquoi Busan En quoi ça a un lien avec RIPA Est-ce qu'à l'époque de Los Angeles Gladiators, il a joué euh, une map de Busan C'est peut-être la seule map qu'il a joué euh, de manière régulière. Je ne sais pas. Euh, RIPA n'est pas coréen, il est finlandais. Donc ce n'est pas lié à sa nationalité. Donc, j'avoue que je n'ai pas creusé plus loin parce que, pour moi, c'était assez évident qu'on parlait du flex support finlandais. Lundi suivant, lundi suivant. Il aime bien le barbecue coréen. Ça doit être ça, les gars. Ça doit être ça. Ça doit être le fait qu'il aime, euh, qu aime le barbecue coréen. Lundi suivant, il est plus compliqué. Alors, celui-là, j'étais content de le trouver. Je me suis un petit peu cassé la tête. « Reach out to loved ones, thank them all, figured out, yet were first to call ». Et euh, j'ai regardé un petit peu. Alors, rappelez-vous, il y a Château Guillard. Château Guillard au début, je, tout le monde a dit ah c'est français. On va, nous en, on va nous annoncer un français. On va nous annoncer un français. Euh, mais moi personnellement, je pensais d'entrée que c'était pas le cas. Voilà, je pensais que c'était pas le cas. Soon on a déjà signé les gars. C'est bon, c'est gagné. Soon c'est gagné. Puis après, je me suis dit peut-être un joueur de Widowmaker Peut-être qu'on est en train de, de, de donner un indice concernant Hybrid qui avait été leak euh, qui avait été leak les semaines passées. Vous verrez après pourquoi il ne peut pas s'agir d'hybride. Et euh, j'ai donc relu la phrase et j'ai trouvé assez bizarre la tournure ici avec ce point virgule qui n'a un petit peu rien à faire, euh, qui n'a un petit peu rien à faire là-dessus. Voilà, je n'ai pas compris pourquoi il y a un point virgule là-dessus. Et en fait, mesdames et messieurs, j'ai relu cette phrase lentement et si on prend simplement la suite des mots, et ça explique le point. Si on prend la suite des mots, on retrouve le nom du joueur, euh, Molfig, Zem Molfig, euh, directement, voilà, je vous la refais, euh, où on retrouve le nom du joueur affiché, encore une fois, dans le poste, un peu comme Ripa, mais là, c'était très lisible. Eh bien, pour le cas de Molfig, ça l'était un petit peu moins, mais on s'y retrouve et ça semblerait être le plus logique. Molfig, qui aussi lui avait été annoncé un peu en amont par euh, les différents liqueurs de la scène Overwatch, fait euh, fait le boss en fait merci ben merci un maximum de couronne pour le king merci euh, adi et le, et le qui, qui allait monter aussi on parlait de faire monter toute la front lane et du coup quand j'ai fait le quand j'ai fait le, le rapprochement bah j'ai cherché et je suis tombé là dessus et je me suis dit bah il y a quasiment c'est quasiment sûr que c'est ça c'est quasiment sûr que c'est ça merci Murtax qui dit qui donne 100 bits pour ce talent euh, l'investigation qui, qui paye en tout cas euh, c'est pas confirmé mais à mon avis on parle là dessus ça m'a l'air assez clair j'espère qu'ils donneront les réponses par rapport à, à ces petits indices mais il me semble qu'en effet c'est élémentaire. Le dernier, alors celui-là, encore plus facile, les gars. Celui-là, je pense qu'il est euh, obvious pour tout le monde, mais je vous le mets quand même. Thanks for your support through Sick and Thin, from Assault to Hybrid uh, and Game Modes Within. Voilà, de, des maps au aux maps hybrides, sauf que le, le hybride dans le nom n'est évidemment pas le nom de la map, mais bien le nom du joueur, encore une fois au milieu du message, cette fois ci de manière très straightforward. Ils ont utilisé eh bien, le lien entre les maps hybrides et le lien entre le joueur britannique hybrid, qui évoluait donc en contenders NA et qui devrait rejoindre, comme il l'avait été un petit peu annoncé dans les leaks, eh bien l'Overwatch League et London Spitfire la saison prochaine même si le début de la phrase pourrait laisser penser à un support, vu qu'ils disent merci pour votre support, honnêtement, euh, là, c'est assez clair et net, et je pense qu'on euh, qu leak un petit peu, enfin qu'on donne l'indice sur le joueur qui avait été leak en amont euh, hybride. Ils n'étaient pas en forme, en effet, pour celui-là. Euh, on se retrouverait donc avec un effectif qui correspondrait quasi exactement au leak de Bazzo hein, euh, la personnalité qui avait leak le roster de Paris en amont et qui, avait, qui a leak d'autres euh, noms de joueurs hein, pas forcément euh, la personnalité la plus sympa du game mais en tout cas il a l'air d'avoir des informations assez euh, solides euh, il a l'air d'avoir des informations assez solides et donc pour récapituler euh, Adi qui aurait été annoncé en premier avec l'indice numéro 9 et la forêt noire allemande euh, Kelex qui a été annoncé en numéro 8 entre eh bien, le rise again de Rise Together et le Fragsters, son ancienne équipe en Contenders, même pas en Contenders en go For Europe euh, l'équipe danoise. Ensuite l'indice 7, Seripa, c'est écrit il suffisait de lire le flex support des British Hurricanes qui montrait euh, lui aussi et euh, l'indice numéro 6, Molfik probablement le plus difficile à trouver euh, mais euh, je pense qu'on l'a figured out <laughs> si, on veut reprendre, si on veut reprendre leur phrase. Et enfin en cinquième position, Hybrid le... Euh, le joueur britannique. A priori, on me dit dans l'oreillette, Balcone me dit que l'indice numéro 4 vient de tomber. L'indice numéro 4 vient de tomber à l'instant. Merci euh, la community manager de London Spitfire, hein, qui bien sûr en est coordonnée, qui, euh, qui, euh, qui nous avait dit euh, ça. Et when times were looking bleak or dark, London Fat provided the spark. Et il pourrait s'agir en effet. De Sparker, Sparker, le, euh, le euh, hitscan des PS de 17 ans qui n'est pas encore éligible à l'Overwatch League, qui ne sera probablement pas éligible euh, les premiers mois, vu qu'il est né en mai, si je ne dis pas de bêtises, mai-juin, euh, alors que l'Overwatch League démarrerait en avril. Mais euh, du coup, ça laisserait à penser, tout laisse à penser qu'il rejoindrait quand même l'équipe, qu'il jouerait aux côtés de Hybrid, qui un. Euh, hint juste avant, euh, qui a été euh, leaké, on va dire juste avant, euh, et qui du coup, bah, Hybrid ferait peut-être la transition jusqu'à ce que Sparker soit majeur. Et euh, il faut juste espérer que London n'ait pas de méta double hit scan 10 juin, merci pour la date, et pas de méta double hit scan avant le 10 juin, date anniversaire de Sparker, euh, le euh, jeune Hitscan de British Hurricane. Ça fait plaisir quand même de le voir là. Yiska avait donné dans son dernier article un peu des informations concernant London, où il avait parlé justement pour lui de l'éventualité et de la forte possibilité d'avoir Sparker du côté de London Spitfire. Du coup, il semblerait qu'il est finalement lui aussi signé en Overwatch League. Voilà pour l'analyse Big Brain des London Spitfire, Les, euh, tout se met petit à petit en place. J'espère que ce petit mot segment vous a plu. Euh, je pense que je mettrai la vidéo sur YouTube pour ceux qui veulent retrouver toute cette micro-analyse. Donc, euh, je vous fais des bisous. Et si vous regardez la vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher votre petit abonnement gratuit qui fait plaisir et qui donne le sourire. Let's go là-dessus.